Bon, je suis content, je sors du tribunal là, et je viens d'être relaxé. C'est la 6e fois cette année. Bon, je viens souvent au tribunal, hein, c'est un peu ma seconde maison, je connais. Puis le copain, ils viennent avec moi pour me soutenir, puis parce qu'ils sont jugés aussi. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet et les gens ils disent qu'on répond de façon un peu trop violente. Oui, monsieur, vos papiers s'il vous plaît. Ah merde, je les ai pas, je les ai laissés dans ma boue. Légitime défense. Le problème avec les vidéos, c'est que c'est l'appréciation de celui qui regarde, hein. Violence policière selon les syndicats et gros câlins selon la police. Après, si on réfléchit bien, taper des gens, c'est juste une technique de comptabilité pour faire glisser le budget retraite sur celui des pensions d'invalidité. Et je peux vous dire qu'à ce rythme-là, il n'y aura plus de déficit dès 2022. Ça, c'est du paramétrique. La justice nous relaxe parce qu'elle explique que si on fait des bavures, ça cause du stress. Et c'est vrai que j'ai un copain, il est un peu trop fort en manif. Cette fois, le tribunal, ils l'ont pas loupé, hein. Ah bah, il a été condamné à 3 semaines de thalasso. Il y a eu des nouvelles, il aime beaucoup le massage au canon à eau. Et c'est lui qui les administre. Puis faut aussi que le grand public comprenne que la violence, c'est plus un moyen de communication, hein. C'est pas forcément méchant. Excuse-moi. Ouais. T'aurais pas du feu? Non. Sur les vidéos maintenant, on peut être identifié par notre numéro RIO. Mais nous, on a trouvé la parade. On se refile le numéro entre nous, et quand on se fait gauler, on dit que c'était l'autre qui le portait. C'est comme le permis à point. C'est pour ça que récemment, ma grand-mère a été mise à pied. De toute façon, l'État peut pas condamner les bavures. Parce que si l'État lâche l'un d'entre nous, bah nous, on lâche l'État. Et c'est marrant de voir que la démocratie, ça fonctionne mieux au sein du maintien de l'ordre qu'au sein de la démocratie elle-même.